Anoumombo, réputée comme étant un carrefour culturel, a aussi pour ambition de devenir une référence en matière d'événements sportifs. Et pour s'en rendre compte, il fallait être présent le samedi 19 décembre dernier au stade de ce grand quartier de la commune de Marcory lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana. Abi Graoul, le maire de la commune de Marcory, n'a pas manqué à l'appel de la jeunesse pour donner un cachet de prestige à la finale de ce grand tournoi débuté au mois de juin. Surtout que l'objectif pour l'organisation était de renforcer les liens communautaires de la population très hétéroclite de Marcory, en plus de permettre la détection de talents footballistiques. Et pour croiser le fer, la Zambie et le Gabon, les deux dernières équipes issues du casting série, ont gratifié le public d'un très beau duel remporté de justesse par l'équipe gabonaise après avoir été menée au score puis chanceuse au tir au but. Elle a reçu le trophée des mains du maire Abi Graoul qui promet une implication plus grande de sa personne dans le renforcement des activités sportives de la commune. Eh bien, 2016, on va remettre ça et puis on a le tour cycliste et puis on a d'autres événements sportifs qui auront lieu ici à Marcory parce que n'oublions pas que la mairie de Marcory a un grand projet pour les jeunes, c'est Marcory, commune du sport et de la culture. Ce qui devrait plaire à la jeunesse de Marcory, très férue de sport.